Bonjour à tous et bienvenue sur GLG vidéo dimanche Oui, oui parce que vous savez, sais, les voitures électriques m'intéressent fortement en ce moment, mais on ne peut pas parler voitures électriques sans parler batteries. Et aujourd'hui, on va parler des différences techniques entre les batteries lithium-ion et les nouvelles batteries, dont on a parlé par exemple sur mon autre chaîne qui s'appelle JT Geek Le Blog si vous n'y êtes pas encore, où on parle des voitures électriques, avec les batteries sodium-ion. Et pour ceux qui sont... le sodium, ça vous dit quelque chose Oui, le sodium, c'est le sel. Bah, bah C'est du sel, voilà. Les avantages et les inconvénients de chaque type de batterie et leur impact sur le futur énergie durable. Allez, c'est parti. Les batteries lithium-ion que nous connaissons tous ont de haute densité énergétique et une longue durée de vie, ce qui est idéal pour les appareils mobiles et les voitures électriques. Cependant, le lithium est coûteux et son extraction est polluante. En outre, les batteries lithium-ion peuvent présenter des problèmes de sécurité comme la surchauffe. Et notamment, on a déjà tous vu des vidéos avec. Euh, des petites explosions sympathiques. D'autre part, les batteries sodium ion pourraient être une alternative durable et plus sûre. Le sodium est abondant et moins cher à produire. Ces batteries sont aussi plus stables techniquement. Cependant, elles ont une densité énergétique inférieure et une durée de vie plus courte comparée aux batteries lithium ion Le choix entre, lithium... Le, choix entre le lithium et sodium dépend donc des priorités et espace et longévité pour le lithium, coût et durabilité pour le sodium une approche mixte serait idéale en utilisant chaque type de batterie où elle est le plus efficace voilà donc en fait ça permet vraiment d'avoir deux différences où vous retrouverez évidemment cet article sur le JT Geek et ça permet d'avoir par exemple si on voit ici les deux courbes vous voyez on voit bien euh, au niveau de la, de la longévité au niveau du nombre de cycles par rapport à l'efficacité mais il faut en fait bon bah du coup on a compris que les batteries sodium sont plus volumineuses à capacité euh, équivalente, mais elle coûte aussi moins cher. C'est pour ça qu'on a beaucoup de fabricants chinois qui vont arriver sur les petites voitures à mettre des batteries au sodium, ce qui va, à mon avis, drastiquement réduire les coûts. Vous trouverez bien évidemment toutes les news sur JT le blog, et même sur le JT Geek. Et puis voilà, ça permet un peu d'avoir un petit peu, puisque moi-même j'entends parler de ion, lithium-ion batterie, j'entends aussi parler de sodium, et je me dis, mais c'est quoi un peu la différence bah, Peut-être que cet article, cette petite vidéo permettra d'y répondre, et c'est le nouveau format que je vous propose tous les dimanches. Si vous aimez ce genre de vidéo, bah, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'aimez pas cette vidéo, bah, vous mettez un petit pouce en bas. Vous abonnez, ce n'est pas encore fait, et moi je donne rendez-vous dimanche prochain pour le prochain GLG bah, euh, vidéo du dimanche, bien sûr.